vlog, j'espère que vous allez bien. De mon côté, bon ça va, ça s'entend pas encore là trop, mais je suis à nouveau enrhumée comme d'hab, yeah. Mais en tout cas, je m'en fiche parce que je suis trop contente de pouvoir vous retrouver, de rallumer cette caméra et de vous parler. Parce que autant mettre tout de suite les pieds dans le plat, vous l'avez peut-être remarqué, mais que ce soit sur Instagram et même ici sur YouTube, j'ai eu beaucoup de mal à faire du contenu ces dernières semaines. Et pour cause, j'ai subi à fond mon anxiété. Parce qu'en fait, il y a 2-3 semaines, j'ai appris un truc qui m'a beaucoup angoissée. Alors ce truc en question s'est résolu depuis, mais en fait, entre-temps, j'ai eu d'autres petites sources de stress qui franchement n'étaient pas graves du tout, hein, mais en fait, le truc c'est que ça s'est accumulé en moi, et en fait, à force, ça a fait une grosse boule d'angoisse qui m'a mis vraiment pas bien émotionnellement parlant et aussi physiquement parce que ça m'a rendu malade mon stress, oui et j'en ai même fait des insomnies, donc du coup j'étais tout le temps fatiguée et j'arrivais plus à rien faire, que ce soit pour YouTube ou pour Instagram, donc bon, autant vous dire que maintenant que ça y est, ça commence à partir et ça commence à aller mieux, je suis soulagée de pouvoir à nouveau vous parler comme ça parce que ouais, ça m'avait manqué quoi, tout simplement. Et du coup vous l'avez vu, vu que j'étais pas bien, j'étais un peu angoissée, bye bye la déco d'automne. Bon, de toute façon je l'avais quand même depuis la fin du mois d'août, donc j'en ai quand même bien profité. Et hop là on installe Noël, alors juste dans mes bibliothèques parce que j'ai pas encore fait mon sapin. Voilà, on fera ça un petit peu plus tard ensemble évidemment, mais au moins dans mes bibliothèques j'avais besoin d'un petit peu de Noël, d'un petit peu de réconfort, donc voilà. Sur ce, je voulais commencer cette vidéo en vous présentant mes nouvelles acquisitions livresques et tout, et en fait j'ai capté que normalement la prochaine vidéo serait un book haul, donc c'est peut-être pas super malin de vous présenter déjà tous mes livres alors que vous allez les voir dans la prochaine vidéo, mais bon. Je fais quand même exception pour l'un d'entre eux que j'ai reçu quand dimanche, parce que oui, maintenant on est livré le dimanche apparemment. Mais ouais, j'ai reçu un livre et il faut que je vous montre parce que franchement, je suis trop contente de l'avoir déjà, mais en plus, voilà la beauté du truc. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le premier tome de la saga, Nevernight. Ah, je suis trop contente, je suis trop contente. Donc Nevernight, le premier tome de la saga de J. Christophe, qui est donc N'oublie jamais. Les éditions de Saxus viennent de sortir une nouvelle édition de cette saga, c'est la Dark Edition, et je suis comblée parce que c'est vraiment une saga déjà qui me tente depuis que le premier tome est sorti chez les éditions de Saxus. Vraiment, j'avais trop envie de lire cette saga, de m'y intéresser, et puis en fait les versions reliées de cette saga ont rapidement été épuisées et depuis sont revendues à des sommes pas possibles sur Vinted, donc pour moi c'est hors de question que je mette ce prix là dans un livre. Et là les éditions de Saxus, ils nous sortent, là, cet hiver, une nouvelle édition reliée, la Dark Edition, que je trouve beaucoup plus belle en plus que la toute première qui est sortie. Et donc forcément, j'ai craqué pour le tome 1, mais autant vous dire que je pense, vu que normalement je vais peut-être avoir des petits chèques Amazon là, du coup je pense que le tome 2 et le tome 3 aussi, ils vont rejoindre ma bibliothèque, même si j'ai pas encore lu le premier tome de cette saga, c'est pas grave, je veux au moins les avoir tous les trois parce que, franchement... ils sont trop beaux, ils me tentent trop. Enfin bon, je vais enlever ce blister, mais déjà sachez un truc, je suis trop contente que cette saga ait été livrée dans des blisters parce que, vu la beauté des livres, ça m'aurait fait de la peine si jamais ça n'avait pas été le cas parce que autant protéger ces pépites. Alors, comment se présente cette Dark Edition? Eh ben regardez déjà. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc il y a écrit « Ne jamais reculer » et en fait... le jaspage, c'est des petites étoiles et tout, c'est trop beau. Voilà pour ce premier tome. Ops, au niveau de la jaquette. Ah oui, au niveau de la jaquette, si vous regardez, vous avez quand même la jaquette de la première édition en version reliée. Donc voilà, trop bien. Si jamais vous avez quelques tomes de cette version-là et que il vous en manque, vous avez juste à acheter la Dark Edition et à tourner la jaquette. Comme ça vous les avez tous pareils. Oh, c'est trop cool ça. Trop bien. Voilà pour l'intérieur. Et ouais, la carte. Ah, c'est vraiment sublime, hein. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Et là aussi c'est la carte. Ouais, c'est la carte. Je m'arrête là niveau nouvelles acquisitions livresques, vous verrez les autres dans le book haul à venir. Mais j'ai aussi quand même quelques nouvelles acquisitions qui sont noëlesques, donc je vais vous montrer ça. Tout d'abord, j'ai passé une petite commande sur la boutique de Caro From Woodland, parce que vous savez que j'adore ce qu'elle fait, donc forcément dès qu'elle sort des choses je suis toujours là la première à cliquer là. Et là je ne pouvais pas passer à côté de sa nouveauté pour Noël, qui est un thé, oui un thé en partenariat avec le jardin de mademoiselle. Du coup vu que je n'ai pas de thé de Noël, enfin j'en avais pas, j'ai craqué et je m'en suis déjà fait un. Et donc c'est un thé noir orange, cannelle et vanille, et autant vous dire que j'avais un peu peur que l'orange prenne énormément le dessus. Bah c'est pas le cas en fait, je trouve que toutes les saveurs sont très très bien dosées pour qu'il n'y en ait pas une qui prenne trop le pas sur les autres, et du coup ça fait un thé qui est doux et qui est vraiment bon, donc j'ai hâte de m'en refaire un. Et donc voilà. Et autre chose que j'ai commandé sur la boutique de Caro, et eh bien c'est ceci. C'est une... alors techniquement c'est une coupelle à thé qui est très très grande, parce qu'en fait il y en a deux modèles qui sont sortis sur la boutique de Caro, et moi j'ai pris le grand modèle parce que les coupelles à thé en fait je m'en sers pas, mais par contre je me dis que ça peut faire une petite assiette pour mettre un peu des petits biscuits ou des petites choses à grignoter pour Noël. Et puis cette illustration je l'aime trop, il y a quelques années Caro elle avait sorti un mug de Noël avec cette illustration là, et j'avais craqué, je m'en étais pris un pour moi, j'en avais pris un pour l'offrir à ma mère, et je sais que toutes les deux on aime énormément ce dessin, donc voilà. Voilà, j'ai ma petite coupelle. Et sinon, il y a mes parents qui m'ont envoyé un petit truc de chez Gifi. Vous savez, Gifi des idées de génie. Bon, est-ce que là c'est une idée de génie? Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve ça mignon et chou quand même à la fois. C'est une guirlande avec des petits bonhommes en pain d'épices. Et regardez, hop. Oups, oui, ça fait de la lumière en plus. Voilà, du coup je voulais vous montrer ça. Je me suis dit que... ça pouvait peut-être vous intéresser. Et en plus, bon, la guirlande est vraiment pas chère, donc... voilà, allez à Gifi si jamais elle vous intéresse. Sur ce, passons à la thématique quand même centrale de cette chaîne, c'est-à-dire les livres. Oui, on va parler lecture. Alors, en ce mois de novembre, j'ai pas beaucoup lu, mais en fait, j'ai lu des grosses briquettes. Et du coup, ça prend du temps. Et quand, en plus, du coup, tu souffres à cause de ton anxiété, c'est pas toujours évident de lire. Donc, autant vous dire que j'ai peu lu, mais alors, v'là les pavés quand même, hein. Donc, j'ai lu ces deux livres-là. Oui. Et on va commencer par celui-ci. Voilà, je vous parlais des deux dans cette vidéo, hein, mais celui-ci, voilà, celui-ci, je l'ai terminé lundi, donc il est très frais dans ma tête. Donc c'est parti, let's go. Le Sang et la Cendre par Jennifer L. Armentrout, publié chez les éditions de Saxus. Je l'ai enfin lu. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien écoutez, tout simplement que c'est une de mes meilleures lectures de l'année. Voilà, tout simplement. Nous sommes sur de la romantasy, donc dans cet univers, nous allons suivre le personnage de Poppy. Poppy qui a un rôle très très particulier pour son royaume, puisque elle a été désignée comme étant la pucelle. Un rôle assez vague, hein, que ce soit pour nous lecteurs, même pour Poppy elle-même. Et du coup, Poppy, en fait, en tant que pucelle, eh bien, elle doit toujours vivre de façon masquée, c'est-à-dire que personne ne doit connaître son visage, ne doit savoir à quoi elle ressemble. Elle porte tout le temps un masque ou un voile sur elle, et elle est toujours entourée de personnes, de garde, et aussi d'une dame de chambre. Enfin, elle n'est jamais réellement seule. Elle a une vie très très conditionnée où on lui dit tout le temps quoi faire, et du coup, eh bien, au tout début de ce récit, on retrouve Poppy qui, la nuit, s'est échappée pour aller discretos dans une sorte de taverne, entre guillemets. C'est quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire, donc elle s'est enfuie du château dans lequel elle réside avec le duc et la duchesse du coin, puisqu'en fait ses parents sont décédés. Et donc voilà, là elle s'est enfuie, je crois qu'elle porte juste un petit masque, et du coup elle se retrouve dans cette taverne. Et à un moment donné, eh bien, elle va devoir se cacher, puisque dans cette taverne entre quelqu'un qui pourrait la reconnaître, en fait, un de ses gardes avec qui elle est très très proche, et du coup elle essaye de se cacher. Elle va monter à l'étage, découvrir une chambre, s'y réfugier, et en fait dans cette chambre, elle n'est pas seule, il y a Hawk. Le personnage de Hawk que Poppy connaît très très bien, puisque Hawk c'est un nouveau garde en fait du château en fait dans lequel elle vit, et du coup vu qu'il est quand même assez beau, bon elle l'a quand même quelquefois observé discrètement, et là il est juste en face d'elle et il se retrouve comme ça dans cette chambre et Hawk ne sait pas qui elle est. Et dès le début, ça dérape un petit peu entre les deux, voilà, il y a des petites choses un petit peu presque olé-olé, mais pas tout à fait, mais ouais, ça commence déjà assez fort dans ce livre entre ces deux personnages, et ça, hein, moi j'avoue que je m'y attendais pas forcément, vu que Hawk est quand même le love interest de cette saga, hein, quand même, il me semble. Donc ouais, assez surprenant que ça, qu'il y ait déjà des petites choses dès le début comme ça. Mais bon, ça va pas aller trop loin non plus, et très vite Poppy, elle va s'enfuir et retourner au château. Sauf que, eh bien, par la suite des choses, Poppy va avoir besoin d'un nouveau garde, puisqu'en fait, son garde à elle va se faire tuer, puisque elle vit en fait dans un royaume qui est en guerre avec un autre, et du coup, son garde a été attaqué, et il lui faut un nouveau garde du corps. Et qui va être sélectionné pour ce rôle? Hawk, évidemment. Donc Poppy, au début, elle est un petit peu angoissée, elle se dit « Oh là là, est-ce qu'il va me reconnaître? Est-ce qu'il va comprendre que c'est avec moi qui s'est passé des petites choses là dans cette taverne et tout ?» Ma batterie a coupé. Donc reprenons. À partir de ce moment, Hawk devient donc le garde personnel de Poppy, et Poppy, ça la rend assez anxieuse, et d'autant plus que Poppy, en fait, dans le château dans lequel elle vit, elle est régulièrement maltraitée par le duc, ainsi que par un de ses amis qui est un seigneur, et c'est quelque chose qui la met vraiment très mal, et elle n'a pas du tout envie que Hawk s'en aperçoive. Donc elle va tout faire pour lui cacher, mais les deux vont quand même être obligés d'évoluer ensemble, donc peut-être que Hawk va quand même s'apercevoir de certaines petites choses. Et en parallèle, il y a des menaces de plus en plus importantes en fait qui vont apparaître au château. Et je n'en dirai pas plus, mais à partir de là, c'est vrai que ça va aller assez crescendo au niveau de l'action, au niveau de tout ce qui s'y passe. Donc voilà, avis global sur cette histoire. Moi c'est vrai qu'au début j'étais un peu dans le flou, déjà par rapport au rôle de Poppy. Qu'est-ce que c'est que ce rôle de pucelle? Bon, Poppy elle est aussi dans le flou, elle est aussi perdue que nous, donc bon quelque part c'est un peu rassurant. Mais c'est vrai que en gros on a expliqué à Poppy tout simplement qu'elle devait se réserver pour un moment particulier qui sera le moment de l'élévation. Elle sait pas du tout en quoi ça consiste Poppy, mais juste que c'est un moment de communion apparemment avec les dieux. Donc voilà, et c'est vrai que nous on est un petit peu perdus, on voit que autour de Poppy évoluent des gens, notamment le duc, la duchesse et certains autres seigneurs qui ont l'air d'être un petit peu plus puissants que des êtres humains normaux, ce sont des élevés, mais en quoi est-ce que ça consiste? On ne sait pas en fait, mais bon bien évidemment on va avoir toutes ces réponses vers la fin. C'est juste qu'au début du livre, on est un petit peu largué, on comprend pas tout, mais ça reste quand même une lecture hyper agréable et hyper prenante. Poppy, tout de suite, on a envie de savoir ce qui arrive dans sa vie. Il y a ce personnage de Hawk aussi. Alors Hawk, je pense que je me suis peut-être spoilée il y a quelques mois ou quelques années, je ne sais pas, parce que bon, comment vous dire, bon... Je pense que vous voyez où je veux en venir en vous disant ça, hein, si jamais vous avez lu ce livre, mais voilà quoi, c'est vrai que il y a des choses qui m'ont paru assez logiques dès le tout début du roman, et je me dis est-ce que je l'ai compris toute seule ou est-ce que je me suis spoilée dès le début du roman, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, il n'empêche que franchement, c'est une lecture qui est hyper prenante, où on sent qu'il y a tout un univers hyper intéressant, hyper travaillé, et c'est vrai que plus on arrive vers la fin, plus on commence à avoir toutes ces révélations, même si j'en avais deviné quelques-unes, mais franchement c'est trop bien, ça se termine vraiment sur une fin en apothéose, et c'est assez marrant parce que quand on termine ce livre, moi j'ai vraiment eu l'impression que c'était que le début de la saga en fait, qu'on allait vraiment avoir une tonne, une avalanche de révélations encore plus nombreuses en fait dans le tome 2, et du coup ça me donne trop envie de lire ce tome 2 là. Petite pause orange séchée vu que j'en ai besoin pour ma décoration de Noël. J'ai coupé des oranges et j'ai mis des tranches au four pendant 5 heures à environ 80-100 degrés Celsius. On retourne les tranches toutes les heures et on obtient ces jolies dorures au final. ça y est, j'ai déjeuné, j'ai mis les oranges au four et donc on peut continuer à parler lecture parce que comme vous avez vu tout à l'heure, il y a un autre livre dont il faut qu'on parle et même techniquement deux autres livres puisque j'ai commencé une nouvelle saga et j'ai lu ces deux premiers tomes. Donc pour que je recontextualise un petit peu tout ça, en fait il y a quelques semaines, les éditions Hachette Romans ont proposé à leurs partenaires, dont je fais partie, de recevoir cette beauté. Donc il s'agit du tome 2 de la saga La Passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice et en fait ce tome 2 a le droit cette année à une version collector trop belle et reliée, donc autant vous dire que moi on me propose un livre aussi beau qui me tente en plus parce que La Passeuse de mots c'est vraiment une saga qui m'intrigue depuis longtemps. Je ne pouvais que dire oui, voilà, tout simplement. Mais pour lire ce tome 2, encore faut-il savoir ce qui se passe dans le premier tome. Et ça tombe bien puisque je me suis aperçue que les 3 tomes sortis de cette saga pour l'instant, eh bien ils sont disponibles en audio sur Nextory. Donc j'en ai profité pour écouter le premier tome sur l'appli. Et donc on va commencer par ce premier tome. Un premier tome qui nous plonge dans un univers de fantaisie où nous allons faire la connaissance du personnage d'Aria. Aria, c'est une jeune femme qui travaille avec sa maman. Sa maman, elle est pâtissière, boulangère pour le château du royaume. Et du coup, Aria l'assiste. Et elle mène une petite vie assez tranquille, voilà, avec sa famille. Et en plus de ça, Aria, bah, vu qu'elle a accès un petit peu au château, eh bien, elle a pu faire la connaissance, il y a de ça des années, du plus jeune fils du roi, avec lequel elle est devenue amie. Sauf qu'un jour, la petite vie d'Aria va totalement basculer puisque le château et même plus particulièrement la capitale, là où est le château, donc toute la ville va être complètement assiégée, il va y avoir des massacres, il va y avoir vraiment des choses horribles qui vont se passer à la capitale et qui vont pousser Aria à devoir s'enfuir. Et à ce moment-là, en fait, eh bien, elle va tomber sur une personne un petit peu spéciale, très mystérieuse, qui lui annonce que Aria, ce n'est pas une personne comme tous les autres. Aria, c'est quelqu'un qui a un don magique. Aria, il se pourrait bien que ce soit la nouvelle passeuse de mots. Alors qu'est-ce que c'est une passeuse de mots? En gros, c'est une personne qui est capable de faire de la magie en utilisant des mots bien particuliers, des mots qui eux-mêmes sont magiques. Mais la problématique, c'est que ces mots se retrouvent aujourd'hui éparpillés un petit peu partout dans le monde. Et du coup, bah, si Aria veut les utiliser, il va falloir qu'elle parte, qu'elle fasse une quête pour aller les chercher. Et peut-être bien qu'en plus, si elle les retrouve et qu'elle apprend à utiliser sa magie, ça pourrait grandement aider son royaume. Donc Aria, qui avait une petite vie hyper tranquille, elle se retrouve arrachée à tout ça et elle va devoir s'embarquer pour l'aventure, sauf que bah, de base c'est pas forcément sa personnalité. Elle, c'est une jeune fille qui est, enfin une jeune femme qui est très calme, qui aime beaucoup lire des livres et faire des petites activités calmes, c'est pas forcément une aventurière. Mais elle n'a pas trop le choix, voilà. Et elle va rapidement tomber sur Kylian. Kylian qui, elle va le découvrir, est un voleur. Mais Kylian qui sera toujours là pour l'aider dans sa quête. Et ensemble, en fait, bah, ils vont du coup partir comme ça à la recherche de ces mots magiques qui peuvent vraiment aider Aria à faire grandir son pouvoir. Et au final, on va vraiment passer comme ça un moment hyper chouette avec un petit groupe de 4 personnages, puisque 2 autres personnages vont rejoindre rapidement le groupe d'Aria et de Kylian, le voleur. Et franchement, c'est un univers, moi, qui m'a beaucoup plu. Bon, déjà, en lecture audio, j'ai énormément aimé écouter la voix, en fait, de la personne qui a raconté cette histoire. Franchement, j'ai trop aimé la façon dont elle raconte ce premier tome, parce que c'est quand même un tome qui fait 700 pages, et autant vous dire que moi, en l'écoutant, cette dame, j'ai trouvé, c'est passé tout seul, vraiment, c'était une lecture mais hyper agréable. Après, j'ai aussi beaucoup aimé le personnage d'Aria, qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais moi je sais que ce que j'ai bien aimé avec ce personnage, c'est qu'elle n'est pas parfaite. On l'arrache quand même à une petite vie hyper tranquille et on lui dit « Allez, hop, là tu pars à l'aventure et tu vas devoir aller chercher tes mots magiques ». Elle, elle n'a rien demandé à personne, sa vie se retrouve comme ça, complètement chamboulée du jour au lendemain, elle est arrachée à sa famille, elle ne sait même pas ce qui leur est arrivé, s'ils sont toujours en vie ou pas. Pareil, elle est arrachée à son amitié avec le jeune fils du roi, elle ne sait pas du tout où il est. D'ailleurs, elle se dit justement que bah c'est bien sympa cette petite quête d'aller chercher des mots, mais c'est vrai qu'elle a quand même envie d'aller retrouver son ami, de le rechercher, de voir s'il est toujours vivant, et donc peut-être bien que son petit voyage à la recherche des mots, bah ça va l'aider à trouver l'endroit où se trouve le prince, voilà. Mais c'est vrai que la pauvre, bah oui, elle est pas parfaite, Aria, parce que bah tout simplement c'est pas une aventurière dans l'âme, c'est quelqu'un qui va plutôt se découvrir au fur et à mesure de cette histoire. Mais moi j'ai bien aimé qu'elle soit pas parfaite parce que je trouve que ça rend toujours un personnage plus intéressant, moins lisse quand c'est pas quelqu'un, le super-héros né quoi, voilà tout simplement. Et d'un autre côté on a aussi ce personnage de Kylian donc le voleur qui va accompagner Aria dans sa quête, un personnage moi que j'ai vraiment bien apprécié, mais vraiment les deux, Aria et Kylian, on sent que c'est vraiment la relation enemies to lover, même si ça avance vraiment pas très vite du tout, notamment parce que Aria elle met 1000 ans à comprendre ce qu'elle ressent réellement et pour qui elle a réellement des sentiments, mais franchement faut pas me dire qu'il se passe rien entre ces deux-là, quoi. J'ai envie de vous dire, pour moi, Aria et Kylian, c'est évident qu'il y a cette connexion entre les deux, quoi. Non, si jamais Aria ne finit pas avec Kylian, j'allais dire je vais m'arracher les cheveux, mais non, quand même, je tiens mes cheveux, mais voilà. Non, franchement, il y a quelque chose entre ces deux-là, même si, honnêtement, ne lisez pas cette saga pour la romance, parce qu'il n'y en a pas non plus un paquet, hein, voilà. Ou alors c'est très slow burn, mais pour moi, ces deux-là sont faits pour être ensemble. Mais ouais, c'est une saga, je trouve, qu'on lit avant tout pour l'univers de fantasy qui est trop bien. Vraiment, ce premier tome, moi, il m'a enchantée parce que on voit beaucoup de paysages, de décors différents, parce que du coup, le petit groupe d'Aria va aller d'endroit à un endroit, à une autre pièce, à un autre événement et tout ça. Du coup on voyage beaucoup et ça rend le tout hyper plaisant, et j'ai aussi beaucoup aimé les mots en fait, puisque petit à petit Aria va trouver quelques mots et j'ai beaucoup aimé voir comment ils étaient utilisés, comment ils apportaient de la magie. Franchement j'ai trop aimé cet univers, et donc j'ai poursuivi avec le tome 2. Le tome 2, le voici, le voilà. Un tome 2 donc, que j'ai lu, mais que j'ai aussi... que j'ai lu donc en version papier, mais j'ai aussi poursuivi une partie en lecture audio parce que franchement, la voix de la narratrice, je vous dis, j'ai trop aimé. Donc voilà. Du coup, puis bon... aussi, enfin 2 tomes de 700 pages, au bout d'un moment j'ai envie de vous dire que c'est cool aussi quand on peut faire, quand on peut mettre un peu le cerveau en pause et juste écouter quelqu'un nous raconter l'histoire, c'était sympa. Un tome 2 qui cette fois-ci, pour revenir à celui-ci, nous fait un petit peu moins voyager finalement que le premier tome, enfin on voyage mais disons qu'on va beaucoup rester dans le même endroit. Cette fois-ci on va se retrouver dans le désert dans lequel Kylian a grandi. On voit pas forcément beaucoup de paysages différents, mais on est énormément dans ce désert là. On va découvrir finalement beaucoup de choses sur le passé de Kylian, qui est quand même un personnage assez secret dans le premier tome. Il est tout le temps là mais on sait peu de choses sur son passé. Bah là on va un petit peu creuser tout ça, découvrir ses proches, découvrir ce qu'il a pu vivre dans sa jeunesse. Et tout en continuant évidemment la mission d'Aria, tout en ayant des événements assez dramatiques parfois, ou d'autres beaucoup plus légers, mais en tout cas qui nous font vivre plein d'émotions et qui moi m'ont vraiment prise, m'ont vraiment intéressée, jusqu'à un moment où on va quitter ce désert pour se retrouver à nouveau à la capitale. Il était temps d'y retourner. Et là, pif badaboum, les révélations, en veux-tu, en voilà, c'était tellement prenant ce tome 2, franchement, au niveau des révélations, mais on est gâté, mais on en veut encore plus en fait quand on termine ce tome 2 en fait, parce que on se prend vraiment une dose de fou à la fin de ce tome 2 au niveau des révélations, mais on en veut encore, on veut ce tome 3 et j'ai trop hâte moi de le lire, mais j'ai vraiment fait une pause, même si j'aurais pu poursuivre et l'écouter aussi sur Next Story. Mais vraiment, le premier tome 700 pages, le tome 2 700 pages, je me suis dit 1400 pages là quand même de cet univers, j'ai besoin de voir un petit peu autre chose. Mais clairement j'y retournerai parce que, oh, mais quel univers, je vous assure, c'est vraiment un univers qui est trop bien. J'ai l'impression que je me suis un peu éparpillée, mais je pense que vous l'avez compris. Dans cette vidéo, on parle d'univers de fantasy ou romantasy vraiment trop bien à découvrir. Je vous les recommande trop parce que je me suis juste régalée et j'ai qu'une hâte que ça soit pour les deux sagas en fait, bah, c'est de les continuer donc voilà, trop contente de ces lectures. Et sur ce, je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant. Voilà, comme ça, ça vous fera une petite vidéo cette semaine et franchement, ça me fait plaisir de pouvoir vous poster du contenu. Allez, je m'arrête là, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour un book haul, du coup, vu que je vous ai déjà spoilé.